Si il dorme, je m'en pète. On était sur un parking en train de prendre le petit déj. Et là il y a un gars qui est venu nous voir. Au début il nous a parlé portugais. Au final on s'est rendu compte qu'il était français. Et on lui a un peu parlé du projet et tout ça. Et il nous a proposé de venir prendre le petit déj chez lui, parce qu'il a une maison dans le coin. Donc là on est en train de le suivre et on va y aller, ça va être bien. Allez Marc, c'est le moment de nous offrir une villa vue sur mer avec une piscine. Moi je... Oui. On y est. Aujourd'hui, c'est incroyable, c'est trop stylé. Je l'ai prise, elle m'a chauffé. Donc à 14 ans, j'ai arrêté l'école très tôt. Je suis parti de chez mes parents, parce que évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure, les parents qui disaient non, il faut aller à l'école. Et puis je me suis tiré, je dormais dans ma bagnole pour pas dormir chez mes parents, pour pas qu'il y ait, voilà. Et hop, je suis parti dans l'univers du sport et de la moto. Je vivais vraiment que pour la moto, mais j'avais rien de besoin d'autre. J'étais passionné, j'étais à fond là-dedans. Mmh. J'avais pas de thune pour moi. Si j'avais de la thune, j'achetais un cap de frein. Tu vois, j'étais à fond dans cet univers-là. Trop bien. De vivre son sport, vivre sa passion. De toute façon, déjà, t'es bien dans ta tête. Ouais. Le film va se dérouler. C'est quand tu te forces à faire des choses que tu n'as pas envie de faire que tu deviens moins bon. Hein. Ça passe quoi, Jérém? Bah là, il y a Mehdi qui fait un petit saut au-dessus de la piscine. En vrai, je suis testé ici. Tu peux l'ouvrir, Marc? Bientôt, je me tombe, je m'en pète. Après ce petit moment cool avec Marc là, on va aller à Lisbonne parce qu'il y a une jam de parcours. Donc on va ranger nos affaires et puis ça va partir en session. Bon allez, ça part. Même avec de l'élan pour arriver en haut, pas simple. Ah c'est chaud, hein. C'est un peu haut. Merci Marco. De rien. C'est un plaisir. Salut Marco. Salut les gars. On est à Canarxid, un spot qui a l'air incroyable, et on va participer à une petite jam avec les locaux. On est rechargé en termes de café et de douche, je pense que ça va être un bon training. Là on peut que faire du lourd. Let's go, ça part. Oh my god, hello, nice to meet you, hello. Waouh, il y a plein de monde. Yes. Upside pour le dessert. Avec lui, on a trouvé un petit challenge. Genre là, il y a un mur.
et on va essayer de faire double chat. Le truc c'est que bah, l'arrivée du mur c'est directement de l'herbe. Du coup bah je sais pas trop ce qui va se passer en mais... En fait c'est même hauteur. Genre l'atterrissage, le mur il est au même niveau que l'herbe après. Du coup on sait pas trop comment on va ramener les jambes. Et du coup on va faire un Shifumi pour savoir qui va en premier. Shifumi. Yes. Ah je crois qu'il va en premier. C'est vraiment marrant. J'ai fait n'importe quoi mais ça s'est bien passé. C'est cascade là, petite pensée à Fabien qui fait de la cascade. Non. Mais j'en ai mis une fois, je crois. Vas-y, ça repart, moi j'essaie de pas toucher le mur. Bon voilà, c'était marrant, on a fait un peu de cascade. Bon, on va passer au prochain challenge. Là on va monter sur les piliers et il y a un petit détente arrivé sur un petit toit en pente. Mais on sait pas trop, c'est du carrelage. Ça va sûrement glisser mais ça va être marrant. C'était bien marrant, maintenant je vais peut-être essayer de le faire en side press. Projet. Petit tic-tac avec Pedro, le roi des tic-tac. Donc là, l'idée c'est de mettre le pied ici et d'atterrir sur le muret là-bas. Ça va le faire. If it's straight, it's okay. Yeah, that's why I saw. But when it's the other way, I'd rather have it like just step up, like the tree. Pas loin Mathieu. Faut vraiment que je m'applique à mettre les deux pieds mais je suis comme ça en l'air. Hey. Yeah. Oh. Oui. Je suis à bout, je suis à bout de ma détente mec. Je peux pas aller plus loin. Try more here, more in the edge, because it saves you a little bit of distance. Yeah. Because you're almost there. Yeah. And maybe that's the almost you need. Là tu étais. But for me, is the problem was not the distance, it's just a fucking run up with the tic tac on this leg. Yeah, that's weird. C'est ton battle. C'est ma battle. Je repars pas avant d'avoir mis ce tic tac. Vas-y mon mat. Donne tout pour une. Celui-là, c'est sûr. Yes! Let's go! Ah, ça fait plaisir! Ta tête! Voilà. Quelle machine! Il s'est acharné! C'est juste élan en fait! En fait, tu passais pas là! Tu passais pas là là! C'est là qu'il fallait que je passe! Depuis tout à l'heure, je fais de la merde à faire ça! Il faisait la danse. Mathieu il s'est acharné et il l'a eu. Comme quoi ça vaut le coup de pas abandonner hein. J'ai trouvé un autre tic-tac. Je crois que je suis accro. Je fais course d'élan ici. Un pied sur le muret, un pied sur le mur et j'arrive derrière sur le muret. Ça part. Mais on connaît pas son nom, c'est chaud. Aujourd'hui on est encore à Lisbonne et on a trouvé un sacré spot. Genre il y a plein d'escaliers qui montent et tout. Je pense qu'on va trouver des petites lines. Ce
spot il est fou. Parce que genre il y a tellement de murs partout et c'est des murs qui accrochent. Du coup en vrai il y a moyen qu'on pop tous une petite line sympa. Il veut pas que je fasse ma line, mais bon, je vais la faire quand même. Oh, c'est chaud. Mon pied droit, on a pas décidé de se mettre. Mais bon, ça repart. Hein. No, it didn't get hurt. Don't worry. No. No. Let's go. Ah, ça va? Ça va, Val? Ah, je fais une entorse. Non. Si, si. Putain, mais c'est... T'as fait quoi? C'est passé quoi? Tu es con? Ah, putain, j'ai mal. Ah, ça va? Ah, là, là. Va. C'est chaud. Oh, bon, ça part sur une fin de session. On espère que vous avez kiffé autant que nous ces petits spots à Lisbonne. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.